on a proposé donc le thème de l'espace. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait le traiter d'une manière humaine, en mettant la lumière sur la maîtrise des corps. Parce que, comme vous savez, les Palestiniens, depuis la Nakba en 1948 jusqu'à aujourd'hui, l'espace de leur espace s'est vu diminuer au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver à des petits espaces, des cantons comme ça, éparpillés, ce qui empêche d'ailleurs géographiquement la création d'un État palestinien. Donc on s'est dit, voilà, à partir de là, comment est-ce que les Palestiniens, et notamment les artistes palestiniens, à travers leur création, leurs œuvres, comment ils arrivent à s'affranchir des limites ou qui sont imposées par l'occupation pour créer tout un autre espace, un État palestinien imaginaire. La Palestine doit être présente, pas juste pour, je le répète, pas juste pour son quotidien de souffrance, même s'il faut le montrer, il faut le voir, c'est évident. Enfin, mais aussi, la Palestine doit être là pour ses histoires, pour sa vie de tous les jours, pour montrer aux gens vraiment comment les Palestiniens vivent l'occupation et non pas comment les médias l'aperçoivent. Et donc, dans ce sens, un pacte est réussi, à mon avis. I think it gives a positive picture of how it could be, how it could be a normal way of living. Maintenant, effectivement, c'est vrai que l'image qu'on a de la Palestine, c'est la guerre. Voilà, la guerre, ce mur là qui est bien évoqué, et voilà, c'est ça surtout l'idée qu'on en a. Hein. La guerre Palestine-Israël, Jérusalem, la Cisjordanie, enfin la bande de Gaza, tout ce dont on entend parler. Donc en fait, c'est vrai aussi que c'est sympa de voir qu'il y a des gens qui réussissent à s'exprimer un peu là-dessus. Donc voilà.